Hey, hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. On retrouve donc notre petite famille Ugly. Ah bah d'accord. Ah bah Ludwig, il dort avec sa mère maintenant, c'est nouveau. Voilà, on retrouve notre petite famille avec Joris et qui bien sûr il dort pas avec sa copine. La copine qui est là et qui est bien enceinte, elle doit aller faire pipi. Ouais, bah écoute, tu vas aller faire pipi. Je vois pas pourquoi tu te prives comme ça de choses de la vie. Surtout en étant enceinte, t'es à combien? Troisième trimestre dans 3 heures. Ah oui, donc ça va bientôt être la révélation aussi, quoi. Et tu vas aller manger. En plus, il est quoi? Ouais, il est 7h30 du matin, bah ça va. On est dimanche. Ah, bah ça va, il n'y a pas école pour Ludwig. Bah, c'est le seul qui doit aller en cours de toute façon. Et bah, on va passer la journée de dimanche. Je ne sais pas ce qu'il y a prévu. On est en hiver. Nous sommes en hiver. Et tout va bien. Demain, c'est la journée des réductions. Ah! C'est dommage, on n'avait pas acheté la maison demain. Hein, parce que vous savez que j'ai le projet de déménager le foyer avec donc Carla, vu que c'est l'héritière que vous avez choisie pour cette génération. Et on va changer de maison. Mais je vais faire mon choix de maison dans une semaine. Donc d'ailleurs, petit rappel encore une fois pour le concours de maison du Ugly to Beauty que je vous ai demandé de construire. Donc je n'ai pas encore même pas regardé, je ne sais même pas combien de maisons il y a. Mais il y a une vidéo qui existe, voilà, avec toutes les demandes que je fais pour cette maison. Ne faites pas trop grand la maison, sinon ben on perd de la place. Enfin, si c'est trop grand, on perd aussi du budget, parce que c'est un budget de 110 000 simflouz. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo qui concerne. Et puis vous avez encore jusqu'au 15 pour faire la maison. Et après, moi, je ferai mon choix. C'est-à-dire, je tournerai les vidéos pour la présentation de chaque maison et je ferai mon choix à partir de ce moment-là. Et bien sûr, bah, si c'est après le 15, bah, déjà, si vous faites une maison que c'est après le 15, dites-le-moi, comme ça au moins je. Voilà. Et puis peut-être que je ferai une exception, voilà, je ne sais pas du tout combien de maisons il y aura, donc. Le choix va être. Voilà, bah, j'ai hâte de voir en tout cas, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc ça risque d'être sympathique. Et alors, décès dans la famille, père, un frère ou une sœur? Ah oui, merde. Qui c'est qui est mouru déjà? Ah, c'est Garance qui est morte. Oh, ça craint. Donc là, on a tous les enfants, on est bien. Oh, la journée des pleurs, quoi. Qu'est-ce que ça m'agace. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose. Bien sûr, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que notre petite Carla nous fasse un petit bébé. Alors, le petit bébé, ce sera avec Robert. Et Robert, il est absolument agraou, graou, n'est-ce pas? Et je me demande si on va pas Laurent. Ouais. Il y avait Louis, mais lui il est encore ado. Lui il est encore ado. Encore ado, tout ça. Bah, tu vas te faire belle, cocotte. Allez, vas-y. Te refaire une beauté, comme ça tu seras à fond. Regarde, il arrive. Et c'est direct dans le lit. Hein. On cherche pas, là. On y va carrément. Tu vas le draguer d'entrée de jeu comme ça. Wesh. Regardez-moi, elle s'apprête là. Ça va, j'ai pas trop de boutons aujourd'hui, ouais. Non, ça va, mon cul, ouais, mes fesses, ça va. Ouais, franchement, il devrait kiffer. Petit cheveu qui dépasse là. Ah, ouais, non, ça va, franchement. Ça va, je suis plutôt bonne. Et on récolte 1541 simflouz. Oh, regardez-moi ça. Allez. Allez, il est en geôleur là. Vas-y, 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 on attaque, on attaque. Il a quoi comme trait déjà? Actif, créatif et joyeux. Admirer son admiration. Oui, complimenter l'apparence. Alors, il est OP. Attends, 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 attends. Là, il faut que je sois à fond dessus. Amour, enlacé. Allez, 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 allez. Eux, ils font leur life. Merde, Heidi, elle va draguer. Allez. Allez, allez, allez. Ça va aller. Oh, Heidi, elle va claquer. Moi, je vous dis, il y a un souci là. Ils ont raccourci la vie. Je sais pas, c'est bizarre hein, qu'elle meure aussi rapidement quand même. Premier baiser!
Allez! Allez, Carla! On attend que ça! Donc, ses frères. Oui, 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 oui! Ouais! Je suis contente, j'ai eu ma petite photo. Vous savez bien que j'aime bien. Non, alors, tu vas sûrement pas manger, hein? Tu mangeras après, quand il t'aura mis dans son lit. Quand tu l'auras mis, toi, dans ton lit. Amour, embrassé. Allez, je pense que ça y est, là, on va pas avoir passé. Là, il est à fond. Attendez, hop. Oui, voilà, ça, ça scelle bien. Non, alors, arrêtez de squatter ce lit. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Toi, tu vas faire à manger. Servir le brunch, voilà, brouillade. Toi, qu'est-ce que tu viens? Tu, voilà. On laisse libre les champs libres, là, pour les amoureux. Car là... Hop, hop, hop. Allez. Est-ce qu'il est OP, là? Oui, ça a l'air de l'exciter particulièrement. Il est particulièrement excité à cette idée. Et ils vont tout de suite au lit. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a encore cassé quelque chose. Joris, tu sais pas quoi faire? Non, non, on va remplacer. C'est pas ce que je voulais faire. Tu vas y nettoyer, tiens. Voilà, allez. Oh, bah ils lui ont mis un petit peignoir, Robert. Attention, attention, Carla. Carla, faut faire des petits bébés. Les premiers enfants de la quatrième génération. On est bien. Apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as, toi? Simon Guérin. Salut, c'est moi. Avais-tu un nom? Non. Joris, tu vas manger, voilà. Elle... Mais je t'ai dit de faire à manger. Ah, c'est bon, elle a fait à manger. Ben, va manger, alors. Toi. T'es très triste, mais ça va. Pourquoi tu veux faire un truc méchant à ta mère? Tu vas te battre avec ta mère? Non, mais ça va pas, non. Ça va pas bien, hein. Tu sais ce que tu vas faire? Va courir. Ça t'occupera. Tu auras une... voilà. Et non! Robert, qu'est-ce que tu fous? Ah non, mais tu déconnes? Toi, reviens. Faire caca avec Robert. Non, non, Robert! Non, Robert! Robert! Robert, reste là. Robert, reste à faire des petits bébés, Robert, tu dois rester. Ah, ben ça y est, elle est déjà enceinte. Parfait, ben on va faire petite petit test de grossesse, et puis non, c'est bon, pas la peine de lui faire de du rentre dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a une enceinte. Ah ben, il faut que je la fasse partir. Faut que Léa et Joris s'en vont, ça va laisser de la place. Et voilà! Youpi! Bon, bah maintenant, on va s'armer de patience, puisque ça va être long jusqu'à temps que ça se naisse tout ça, là, hein, que les petits chouchous y naissent. Alors, ce sera midi et demi dans quelques jours. Si je dis pas de conneries... deuxième trimestre, troisième trimestre, donc deux épisodes à midi et demi, nous aurons la première naissance déjà. Et oui, on perd pas de temps. Qui es-tu? Qui est-ce? Ah bah c'est Ludwig. Ludwig, toi aussi tu vas aller te courir pour te vider l'esprit. Hein, voilà. Ah bah d'accord, va manger, ça y est, tu as le droit. Je croyais qu'elle était en train de l'embrasser, mais en fait... Ah bah il lui chante la sérénade. Oh bah lui, ça y est, il a fond. Mais tu as servi maintenant, Robert. Tu peux partir. D'ailleurs, on va te le dire. Demandez de partir. Non, mais c'est bon, nous on voulait juste tes gènes. On voulait juste ton zizi et tes spermatozoïdes et voilà. Et quand même, hein. Miam miam, hein. Ah, il a fou. Allez, il va faire. Allez! C'était sympa, tu vois, mais on va rester copains maintenant, hein. Donc. Allez, salut. Je dois, c'était très sympa. Ah oui, bah tu m'étonnes. T'as tiré ton coup, mon gars. Tu m'étonnes que c'était sympa. N'importe quoi. La détresse. Heidi. Elle est en train de clignoter. Bon, voilà. Ça va être pour cet épisode. Je pensais que ça serait pour plus tard, mais non. Non, non, non. Bah, tu vas... C'est dommage, tu nous donnais pas mal d'argent, donc tu vas arranger ça. Ça sert un peu à rien maintenant. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire? Oh, t'as des tombes. Attends, on va les donner à Carla.
On a plein de graines. Ça, on va donner aussi à Carla les médicaments. Ça pourrait peut-être servir. Ah, et encore une tombe. Des cristaux, des machins, des trucs. Pff, ouais, après, c'est pas très très grave. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais Carla, il y a déjà des trucs dans le frigo. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, je vous jure, c'est Sims. Et toi, là? Oh, tu pues. Ok, bah, elle vient, tu vas rentrer. Et toi aussi, il faut qu'on te trouve un mec. Faut qu'on te trouve un mec. Qu'on va pouvoir, avec qui on va pouvoir te caser? Bon, alors, Robert, pourquoi pas? Il ne faut pas que ce soit un mec qui soit possible géniteur pour... Genji? Genji, il est encore ado. Méchant et imprévisible. Oh là là. J'ai envie de dire Genji. Non, c'est pas lui, Genji. Genji, bof, hein, il est pas, c'est pas le plus beau mec de la Terre, mais pour elle, ça ira. Et toi, Ludwig? Bah, Ludwig, il... Ouais, tu repousses tes limites. Faudra qu'on trouve aussi une petite adolescente bien mignonne. Et tu n'en connais pas. C'est génial. Ça sert vachement à quelque chose. Alors, tu vas peut-être discuter avec elle, demander à toucher le bébé. Elle va même pas avoir le temps de connaître ses petits-enfants. C'est triste. Surtout que là, je marie même pas Carla. Donc, vraiment, je sais que déjà les hommes, ils vivaient pas jusqu'au mariage. Mais là, la mère, si je devais la marier, Carla, elle n'aurait pas vécu, quoi. Voilà. Ok. Tu vas le voir, c'est cool, tu vas te refaire une beauté. Toi, tu vas nous faire un gâteau. Oh ouais, non, mais là, hein, moi j'attends plus, là, cette génération. On fonce dans le tas, on y va. Allez, toi, tu vas faire un gâteau pendant ce temps-là. Et la petite, là, elle va aller le draguer, Genji. Oh, essayer de réconforter. Faire connaissance. Illuminer la journée. Trop d'action? Mais non, pas trop d'action. T'as un look de merde, mon gars. Mais allez! C'est pas trois actions, mais si. Trois actions, c'est trop pour les Sims, là. Ça y est. Ouais, elle était belle, quand même. Ludwine. Mais... Vas-y. Voilà, merci. Il était temps, flatté. Punaise, mais trois actions, c'est déjà trop. C'est une blague. Bon, on est en hiver, on n'a pas encore de neige, hein, je vous le dis. Hein, c'est le premier jour en même temps. Je pense qu'on en aura rapidement faire connaissance. Qu'est-ce que tu nous fais Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi t'as une connaissance du chat? J'ai pas compris. Tu peux mettre les bougies, s'il te plaît. Comme ça, moi, tu serviras à quelque chose. Voilà. C'est quoi? Il y a quelque chose qui a cassé là. Je pense que c'est l'ordinateur du haut. Oui, Joris, merci. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas la réparer. Parce que maintenant, t'es chiant là quand même. Alors, toi, tu discutes, hein, énervé. Non, sans enthousiasme à propos des chats. Complimenter la tenue. Elle est partie faire sa sieste avec sa mère qui pleure, d'accord. Mais Heidi, ça sert à rien de pleurer. Après, c'est toi qui... Ouais, non, tu vas pas pleurer parce que tu vas claquer. Oh, pauvre Heidi. Heidi How. Tu vas aller aux toilettes aussi, toi. Toilette, douche, vas-y. Que tu sois propre quand la mort viendra te chercher. Ok. Non, mais tu vas te réveiller tout de suite, cocotte, hein. Tu vas nous faire faire le ménage. Et oui, et puis du coup, comme tu es notre héritière, tu vas commencer aussi à faire un peu à écrire des trucs. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais ils sont... Mais pourquoi ils se battent? Mais j'ai pas compris! Mais non, mais pourquoi? Vous êtes pas co copains? Mais c'est pas la journée de la bagarre, je comprends pas. S'excuser, d'accord. Je sais pas ce que tu lui as fait à Litvin, mais il est pas content. Hein. Bon, allez, tu vas lui souhaiter son anniversaire.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce serait impoli de prendre une part de gâteau avant que les bougies ne soient soufflées. Oui. Nommez le livre, voilà. Mais on peut pas faire... Faire... Oh, mais si! Oh là là, moi je suis bourrée. Allez, hop! On va faire vieillir Genji, là. Viens ici, cocotte. Maintenant, c'est à toi de le dragouiller, hein. Faire la paix après une bagarre. Bah oui, mais je comprends pas pourquoi vous êtes bagarrés, quoi. Et voilà, il est adulte. C'est super. Et tu vas le draguer. C'est très enjôleuse, à mon avis. Vas-y, tu vas le draguer un peu. Mais ça va, il, vous êtes... Oh là, il se téléporte aussi, lui, ça y est. Ça commence à partir en vrille. Une histoire drôle. Hop, amour. Prendre une pause sexy. Parler de cuisine, ou j'en sais rien, moi je m'en fiche. Hein. Draguer. Voilà. Il est open. Et puis après, à la fin de l'épisode, de toute façon, je ferai déménager Joris et Léa, puisqu'ils prennent beaucoup de place. Ils prennent 3 places à eux deux, donc c'est un peu chiant. Et voilà. N'est-ce pas? Si elle, on veut qu'elle tombe enceinte aussi de lui, ben, il va falloir que il s'en aille parce que là, j'ai plus de place. Le foyer est full. Bon, il a une combo parfaite, le Genji. Hein. Méchant, imprévisible, crasseux. C'est génial. Franchement, superbe. Tu vas t'amuser, ma petite. Ça va, ça va être magnifique. Bon, ça monte pas trop trop. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas trop dans la relation. J'ai une bague sur le bon vieux temps. On va faire remonter un peu la... En tout cas, elle drague, hein, ça. On va pas pouvoir dire le contraire. On se renseigne sur la carrière. Je suis sûre qu'il a pas encore de carrière, parce qu'il vient juste de devenir jeune adulte, mais bon. Voilà, une petite drague. Discussion informelle. Je sais pas, ils doivent pas être très amis, en fait. C'est chiant. Conversation profonde. Ah, il est sans emploi. Parler de la température froide. Enlacé. Ah, Joris peut prendre un congé. Voilà, c'est buggé. Peut faire amical quand même, juste que tu lui parles un peu plus. Comment s'est passée la journée? Oh, ils arrêtent pas de s'asseoir, de se lever, s'asseoir, se lever, complimenter l'apparence. Bon, ça monte. Ça monte, ça monte. Rencontrer, raconter une histoire drôle. En fait, en amical, ah si, voilà. Faut bien que ça monte un peu au niveau de l'amical, sinon ça va pas être. Voilà, un bon ami, ça y est, c'est bon. Voilà, il suffisait de ça, et puis normalement, je devrais pouvoir accéder à d'autres trucs. Conversation profonde, et à mon avis, le prochain drag sera dans la poche. Dans la poche! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Oui! Ah bah, dis donc! Et elle est contente. Ouais, ma sœur a trouvé un mec. Allez faire caca dans le bain remous, de direct. Direct chez moi, ça marche comme ça. Rencontre très incommodante. Ah parce que, mais non, mais te mêle pas à la conversation, toi. Qu'est-ce que tu me fais? Belle, va pisser, le dire de faire des bêtises, va dormir et tout. Enfin, fais ta life quoi. Ah là là, vous avez fait pourrir la. Vous êtes pas cool, hein. Elle n'avait pas encore mouru, mais ça va pas tarder. Et on va voir tout de suite. Et hop là! Litvin et Genji. C'est parti, parti, parti. Ah ouais, mais moi, tu vois, dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Mais alors, dans les Sims,
Dès qu'il y a eu le bisou, c'est vas-y, vas-y, direct dans le lit. Allez, ou dans le bain, apparemment, parce qu'ils aiment beaucoup aller dans le bain, remous les Sims, moi. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, et mon petit Joris avec sa petite Eléa, ils vont bientôt disparaître. Enfin, disparaître. Ils vont partir de la maison, quoi, mais faire un check. Oh non, ça y est! Oh mon dieu! Oh, adieu, Heidi! Heidi, how? Alors, je vais bien sûr arrêter parce que il faut que. Ah non, je voulais leur faire faire crac-crac, mais le bain à remous est déjà pris. Et en plus, il peut pas être dans la chambre sinon. Elle est en train de claquer, quoi, en fait, tout simplement. Donc, voilà, tu vas avoir plusieurs interactions avec ta copine. C'est pas encore sa femme, d'ailleurs, on va. Ils vont faire. Ah, bah oui, c'est vrai qu'il est froid. Oui, ok. Toi. Bah écoute, tu manges, tu vas dormir, c'est parfait. Toi, tu fais crac-crac. Toi, discuter avec Eléa. Ouais. Tu vas aller aux toilettes aussi. Hein? Tout doucement, tranquillement. Et tu vas faire tes devoirs si tu les as pas déjà fait. Non, si, il les a déjà fait. Zut! Pendant qu'elle est en train de faire des élongations de oh, je meurs! Mais c'est horrible! Il meurt beaucoup trop vite dans cette génération. Je trouve que c'est vraiment difficile. Oui, il est où ton lit, toi? Mais c'est ton lit ici, normalement. Allez, hop, tu vas réclamer et tu vas aller dormir. Bon, on retourne voir notre petite Heidi qui est en train de partir très loin. Et voilà. Elle n'est plus. Heidi n'est plus. Surtout toi. Non, je crois qu'ils sont. Oh putain. Elle va monter. Toi, tu remets ça. Toi, tu refais crac-crac. Hein? Alors, demandez d'être son petit ami. Oui, bah écoute. Direct. Ah non, je ne veux que personne... Non, mais j'ai dit non, là. Vous arrêtez. Je veux pas. Discuter avec Joris. Voilà, c'est très bien. Mais ils vont dans la chambre, c'est con. Tranquille, quoi. Regardez. Non, mais Genji. Kenji, on t'appelle. Embrasser, voilà, c'est bien. Invite à rester dormir. Bon, bah, faites crac-crac alors. Tant qu'à faire. Sur le cas à côté du cadavre de votre mère. Enfin, de votre mère, de la mère de Joris, quoi. Voilà, elle n'aura pas eu le temps. Elle n'aura pas eu le temps de faire. Oh, salut la mort! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein. Eh bah ouais, ils vont faire crac-crac. Mais sinon, Kenji, tu viens quand tu veux consoler à propos de la mort. Ils vont baisser, j'hallucine. Non, mais vous avez déjà vu ça, vous? C'est du grand n'importe quoi. Et elle regarde, mais qu'est-ce qui se passe sous la couette, quoi? C'est sympa, vous me faites des bébés? Je pourrais venir les chercher plus tard? Mais what? C'est du grand n'importe quoi. Voilà, eux, ils sont petits amis, tout ça. Elle dort. Oh, bah voilà, hein. Remarque, ça fait une place en plus, hein. Donc si ça fait une place en plus, toi, tu vas aller faire un bébé. Oh, c'est le feu d'artifice. Allez, améliorer. Non. Mais quoi, améliorer? Mais tu peux passer demander du temps ensemble, oui, comme ça c'est fait. Demander en mariage, non, brasser les mains. Voilà, embrasser. Est-ce que tu peux... Oui! Une place de plus, égale un bébé de plus. Ça va être, il va savoir pondre dans tous les sens, hein. Ça va pondre dans tous les sens, tout le monde est au lit, et ben c'est très bien. On va laisser Litvin et Kenji nous faire un petit bébé. Tchouk 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 tchouk. Dans le bain à remoumou. Allez-y, on vous regarde. Oui, je sais, c'est un peu ça fait un peu voyeur, mais... Hop là. C'est du nawak cet épisode, c'est du grand nawak.
Wow! Ça, c'était beau. Après, tu iras faire ton petit test de grossesse. Mais de toute façon, on le sait tout de suite parce que... C'est bon, elle est enceinte. Il n'y a pas de doute. Recevoir un compliment. Ben voilà. T'es contente, hein? On a mis un nouveau maillot de bain de la bonne saison. Hein, donc, ça fait un peu robe, tout ça. Allez, va faire ton petit test de grossesse, cocotte. Et puis après... Ouh là là, oui! T'es dans le rouge. T'es beaucoup dans le rouge. Et dans le prochain épisode, de toute façon, on aura fait déménager Joris et Eléa. Et ils auront leur bébé de leur côté. Oui. Alors? Tu... Non? Mais Joris! Mais... Ça y est. Voilà. Aujourd'hui, ça aurait été vraiment la journée des... De la fécondation. On va dire ça comme ça. Et après, tu iras te coucher, évidemment. Joris, lui, il va se prendre une part. Ouais, bah vas-y, fais ta life, mon petit. Et est-ce qu'ils sont pas du tout tristes? Père imparent, mais ça va. Ils sont plus dans le bon état quand même. Et ça, on va le mettre dans l'inventaire de Carla. Et voilà. Sur ce, Joris va se coucher. Oh, bah d'accord, lui, il est en train de pisser dans la chambre, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh bah c'est elle maintenant qui a envie de pisser. Allez, hop, au lit. Oh mais il faut arrêter de se téléporter comme ça, les enfants, ça va pas être possible. Bon, je les fais coucher, mais de toute façon, je vais les changer de foyer. Et moi, je vais terminer sur cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu et en croisant les doigts que le bébé de Carla soit super gaulé comme son daddy. Mon ami, hein, si c'est un garçon en tout cas, oh my god. Ce sera une bête. Oh non, encore un mort. Non, attention. Allez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis donc au très très vite pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut.